Depuis la nuit des temps, les hommes se sont toujours fait la guerre. D'abord entre membres d'une même famille, puis entre compatriotes et enfin entre nations. Pourtant, le point de départ de tous ces conflits réside peut-être plus profondément dans la nature même de la condition humaine, dans les replis profonds, impénétrables du cœur humain. On dit que le premier affront au libre arbitre fut commis avant même le premier voyage de l'embryon, avant même la création de la Terre elle-même, dans l'avant-vie des âmes voguant dans les espaces célestes. L'aube de la guerre, selon certains, a été créée par un ange déchu, coupable d'avoir opposé son orgueil à Dieu. Dans l'ancienne Babylone, à une époque tellement lointaine, on ne sait exactement de quel millénaire il s'agit, on commença la construction de la tour de Babel. Ce devait être la plus grande réalisation de la race humaine. Une tour si haute que son sommet toucherait les cieux et qui prouverait ainsi au monde la supériorité de leur race. Mais l'ironie du sort voulut que la tour ne soit jamais achevée. Le temps passa, les nations chutèrent, puis vint l'âge des machines. Et une fois encore, l'ingéniosité de l'espèce qui dominait toutes les autres révéla ce qui était à l'époque la réalisation la plus monumentale jamais imaginée. La plus grande machine jamais construite, une machine tellement gigantesque et tellement révérée, avant même sa première démonstration, qu'un seul nom pouvait lui convenir, le Titanic. Le 10 avril 1912, il prit la mer. On disait de ce navire que Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Mais l'ironie du sort voulut que l'élément même qui devait le maintenir à flot le fît couler, l'eau, de l'eau glacée sous la forme d'un iceberg. Il n'acheva même pas sa traversée. Puis la génération suivante entreprit de réécrire les pages de l'histoire. Il s'agit peut-être de la dernière génération, celle de l'ère de la conquête spatiale. La concurrence entre les rivaux était sans précédent. De puissantes nations dépensèrent des milliards dans cette rivalité acharnée pour devancer leur adversaire. L'Union soviétique mit le premier animal, le premier homme. Elle comptabilisait 5 fois plus d'heures dans l'espace que les États-Unis. Et en juin 1969, à près d'un mois avant le lancement d'Apollo 11, elle lança une sonde non habitée vers la Lune, destinée à rapporter le premier échantillon de Terre d'un autre monde. La course était serrée à ce point-là. Si la sonde non habitée ne s'était pas écrasée sur la surface de la Lune, l'Union soviétique aurait rapporté le premier caillou lunaire sur Terre. Richard Nixon, président des États-Unis à l'époque, tint les propos suivants au sujet du dernier exploit humain. C'est la semaine la plus incroyable depuis la création. Le plus grand événement depuis la création des océans, depuis l'origine de l'univers lui-même, depuis la conception et la formation du délicat œil humain par lequel toutes les choses sont perçues. C'était un engin volant avec ses 2 passagers, atterrissant sur la surface de son voisin céleste et regagnant son point de départ. Encore une fois, l'ironie du sort tient à cette grande fanfaronnade des hommes. La construction de la plus haute tour dans le seul but de se distinguer des autres ne fut jamais achevée. L'incroyable machine que Dieu lui-même ne devait pas pouvoir toucher ne termina jamais son premier voyage. Et finalement, la plus grande réalisation de l'humanité, l'orgueil de tout un peuple, l'événement de l'histoire de l'humanité qui suscite le plus de fierté, l'homme sur la Lune. 20 ans plus tard, avec des années de retard sur le planning fixé, le même programme spatial ne parvenait toujours pas à mettre en orbite autour de la Terre un télescope avec un objectif qui fasse une mise au point correcte. Et pourtant, 2 années plus tôt, une mission 100 fois plus compliquée réussit à la première tentative. Grâce à une analyse approfondie des motivations de la diligente administration Nixon, grâce à un examen critique de la couverture médiatique, entièrement contrôlé par le gouvernement, et à de nouvelles images inédites de l'équipe d'Apollo 11, mettant en scène une partie de leur mission, nous souhaitons vous présenter en détail ce qui pourrait bien être la plus grande conspiration gouvernementale de tous les temps.
we'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon, we'll travel fast as light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, 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 up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. A destination moon. Starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my jet mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below. Pull that switch, let's go. Destination. We're flying high up in the sky. Destination, destination moon. Docteur Von Braun, d'après vous, où en sommes-nous par rapport aux Russes et pensez-vous que nous pourrons jamais rattraper leur avance? Je suis convaincu que dans le domaine spatial, les Russes sont en avance sur nous, en particulier en matière de capacité de transport de large masse, et qu'en ce moment, notre problème n'est pas tant de les rattraper, mais tout d'abord d'atteindre la vitesse de travail dont ils ont déjà fait preuve. Lorsque nous arriverons à courir aussi vite qu'eux, il restera encore un énorme fossé entre nous et eux, et seul l'avenir nous dira si nous arriverons à combler ce fossé. Nous ne pouvons pas et n'entrerons jamais pleinement dans cette course tant que nous aurons des objectifs à court terme. Nous ne devons pas nous fixer de terme à nos objectifs. Le terme de nos objectifs doit être porté aussi loin que nous pouvons l'imaginer à tout moment. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'un programme sur 10-12 ans dont le but ultime est d'assurer la présence de l'homme dans l'espace, faute de quoi nous aurons de sérieux problèmes. Je pense qu'avant la fin de cette décennie, cette nation doit s'atteler à l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Nous devons assurer notre prééminence dans l'exploration pacifique de l'espace en nous concentrant au cours de cette décennie sur la réalisation d'une expédition vers la Lune. T-minus 60 seconds and counting. We pass T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong reported back when he received the good wishes. Thank you very much. We know it will be a good flight. Good luck and Godspeed. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Thank you.
grand public ignore que très haut, au-dessus de la Terre, débutant à 1600 km d'altitude et couvrant 40 000 km, se trouvent des bandes mortelles de radiation appelées les ceintures de radiation de Van Allen. Toutes les missions spatiales habitées de l'histoire, menées par les États-Unis comme par l'Union soviétique, depuis la première en 1961 jusqu'à présent, sont toujours restées bien en deçà de ce champ de radiation mortelle. Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, la navette spatiale, toutes ont maintenu des altitudes bien en deçà des 1600 km, toutes sauf Apollo. Les soviétiques plus expérimentés avaient passé 100 heures dans l'espace pour chaque tranche de 20 heures pour les Américains. Afin de survivre la traversée d'une heure et demie de ce champ de radiation, étape nécessaire pour atteindre la Lune et en revenir, il fallait un blindage en plomb solide pour protéger les astronautes de l'exposition aux radiations externes. L'énorme fusée Saturn V, utilisée par Apollo, mesurait déjà 35 étages de haut et pesait autant qu'un navire de guerre. Ajouter un poids supplémentaire sous la forme d'une barrière en plomb entourant complètement les membres d'équipage aurait rendu le décollage de l'engin impossible. C'est pourquoi les Soviétiques, pourtant plus en avance que les Américains, se sont seulement contentés d'envoyer une sonde non habitée sur la Lune. Le blindage le plus étroit du vaisseau spatial Apollo mesurait moins de 3 mm en aluminium léger. En 1998, la navette spatiale vola à une altitude de 563 km, l'une des plus hautes altitudes jamais atteintes, soit des centaines de kilomètres en deçà du début de ce champ de radiation si intense. Malgré la distance à laquelle ils se trouvaient, les astronautes, engoncés dans leur combinaison à l'intérieur de leur vaisseau spatial, virent à travers leurs yeux fermés des éclairs de lumière qu'ils décrivirent comme des étoiles filantes. Éclairs provoqués par le passage successif de la radiation à travers le blindage du vaisseau, à travers leur combinaison, leur crâne, mais aussi la rétine de leurs yeux fermés. CNN publia donc le compte-rendu suivant, faisant état de la surprise de la NASA. Ces électrons qui font en ce moment l'objet d'études pourraient non seulement avoir un effet important sur les satellites, ce qui s'est déjà produit dans le passé, mais pourraient également affecter les astronautes en émettant de fortes doses de radiation nuisible à leur santé. Les électrons peuvent pénétrer à travers divers matériaux, y compris les combinaisons des astronautes, et peuvent en fait passer au travers des murs de la station spatiale et créer de fortes charges au cœur même de ces objets. Le président Kennedy, qui avait une formation de politicien et non de scientifique, a fixé le but irrévocable d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Cela dit, quelques jours seulement après que le premier homme ait passé 16 minutes dans l'espace sans même avoir réalisé une seule orbite autour de la Terre. Nous choisissons d'aller sur la Lune pendant cette décennie et d'accomplir toutes ces autres actions, non parce qu'elles sont faciles, mais justement parce qu'elles sont difficiles. Nous prenons un risque supplémentaire en le faisant sous les regards du monde entier. Mais comme l'illustrent les pieds de l'astronaute Shepard, ce risque ne fait que rehausser notre stature lorsque nous réussissons. La technologie nécessaire au lancement de l'énorme fusée Saturn V est similaire à 95% à celle du lancement d'un missile balistique intercontinental. Lorsque l'Union soviétique lança le premier satellite de l'humanité, le Sputnik, en 1957, les États-Unis redoutèrent alors que les Russes ne conquièrent l'espace avant eux et qu'ils n'utilisent cet avantage pour lancer la première attaque nucléaire depuis une orbite placée très haut au-dessus de l'Amérique du Nord. Lorsqu'ils envoyèrent également le premier homme, l'envoi du premier équipage de 3 hommes et pour la toute première fois la mise sur orbite simultanée de 2 vaisseaux spatiaux, l'inquiétude fit place à la peur, puis à l'horreur, tandis que les États-Unis voyaient leur ennemi communiste réaliser toutes ses premières sans aucun espoir de jamais les rattraper. Monsieur le Président, un membre du Congrès a fait part aujourd'hui de sa lassitude de voir les États-Unis à la traîne de la Russie dans le domaine spatial. J'imagine qu'il exprime ainsi un sentiment partagé par beaucoup. Dans quelle mesure est-il possible que nous rattrapions et peut-être même dépassions la Russie dans ce domaine? Quel que soit le degré de lassitude de chacun, et personne n'est plus excédé par cette situation que moi-même, il est clair que cela va prendre un certain temps et que nous devons nous faire à cette situation.
Ils ont réussi à fabriquer ces grosses fusées d'appoint qui leur ont permis d'être les premiers à lancer Sputnik et à envoyer un homme dans l'espace. Nous allons être en mesure, je l'espère, de mener à bien nos efforts cette année tout en portant l'attention nécessaire à la sécurité de l'homme qui sera choisi pour cette mission. S'il était impossible de battre les Soviétiques dans la course à l'espace, qui était de facto une course aux armements technologiques, que pouvait-on faire ? Comment l'Amérique parviendrait-elle à déjouer la menace d'un armement supérieur ? Dans toute l'histoire des rivalités et des guerres, d'ingénieux généraux, à la tête d'armées plus faibles que celles de leurs adversaires, ont eu recours à la ruse et la désinformation pour remporter la victoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, des colonnes de chars gonflables furent disposées loin de la Normandie pour attirer les forces allemandes loin du véritable lieu du débarquement. Le programme de défense de la guerre des étoiles a truqué des tests pour faire croire que le programme était plus avancé qu'il ne l'était vraiment. L'objectif était de tromper l'Union soviétique sur les capacités militaires américaines. De toute évidence, il n'était pas possible de ne tromper que les Soviétiques sur les capacités stratégiques américaines pendant les années 60, tout en parvenant à informer secrètement 200 millions d'Américains de la vérité. Afin de convaincre les Soviétiques que les États-Unis disposaient de la capacité d'aller sur la Lune, tout le monde devrait y croire aussi. De plus, il y allait de la fierté d'une nation et de l'objectif de créer un martyr, sans mentionner la contestation grandissante à l'intérieur du pays contre un gouvernement qui envoyait des dizaines de milliers de vies à la mort dans une guerre étrangère marquée du sceau de la contradiction et de l'ambiguïté. De plus, le programme Apollo avait déjà coûté des milliards de dollars. S'il ne parvenait pas à atteindre son objectif après un tel investissement, il représenterait à coup sûr une pilule très difficile à avaler pour les contribuables. Le coût du programme, dont le seul objectif était d'être les premiers à planter un drapeau sur un caillou sans vie, situé dans la banlieue de la Terre, est de 135 milliards en dollars constants. Avec une marge de profit de simplement 7%, cela équivaudrait à un profit de plus de 9 milliards de dollars pour les entreprises choisies par leurs amis de la NASA. Si l'engin se contentait de n'atteindre que l'orbite terrestre, comme l'avaient déjà fait les missions précédentes, la fabrication d'autres éléments n'aurait pas été aussi coûteuse, et encore plus de profits auraient pu être réalisés. 135 milliards peuvent nourrir 2 millions de personnes pendant leur vie entière. Ils peuvent également financer la construction de 2 millions de logements de 3 pièces. Pourtant, comment a-t-on pu garder pendant si longtemps le secret sur une telle entreprise ? En ce qui concerne ce dernier aspect, il suffit de se souvenir qu'une énigme toujours non résolue, remontant à 6 ans auparavant, l'assassinat du président Kennedy, continue de hanter les esprits de la majorité des Américains. Bien que l'assassinat de l'assassin ait pourtant rendu évident l'existence d'une conspiration, la vérité sur cette affaire n'a toujours pas été établie. Par son ampleur, le secret des fausses missions Apollo ne peut être comparé qu'au projet Manhattan. La construction secrète de la première bombe nucléaire au début des années 40 a impliqué 129 500 personnes sur une période de 3 ans et pourtant le secret n'avait pas été percé. Un quart de siècle plus tard, les méthodes et la technologie de l'espionnage ont certes fait des progrès, réduisant considérablement le nombre de personnes au courant d'une vaste opération clandestine. Juste une année avant la première mission sur la Lune, la NASA a lancé le satellite Tetra, spécialement conçu pour simuler l'émission de données depuis la Lune, afin que les équipes à terre puissent s'entraîner dans les manœuvres d'atterrissage d'une manière très similaire à la façon dont les astronautes ont répété leur mission dans leur propre simulateur. Ce satellite serait prétendument retombé sur Terre. Si ce n'était pas le cas, tout ce qui aurait été nécessaire au cours du véritable vol serait, à quelques nuances près, une simple transmission de l'un de ces programmes informatiques au satellite afin d'être retransmis jusqu'à Houston. Ceci pourrait se faire simplement en appuyant sur un bouton. Plusieurs ordinateurs et leurs opérateurs trompés recevaient ainsi des informations préalablement falsifiées, y compris l'emplacement, l'altitude supposée du vaisseau spatial et la consommation de carburant, comme si ce vaisseau spatial effectuait vraiment sa descente vers la surface de la Lune. Le fait que le programme Apollo était tellement divisé entre différents départements avec plusieurs sites de construction et de tests répartis dans tout le pays, peu de personnes avaient une vue d'ensemble du projet. Et pour la première fois,
il n'y eut pas de couverture médiatique indépendante d'un tel événement historique. Toutes les images et les sons distribués au public furent strictement contrôlés et visionnés à l'avance par le gouvernement fédéral, pour être ensuite diffusés sans autre vérification jusqu'à ce jour. Car qui aurait pu penser que l'invraisemblable n'était pas seulement possible, mais absolument vrai? Et les photographies, que nous disent-elles? Notre bureau a demandé à 3 reprises au bureau des relations publiques de la NASA de lui fournir toutes les photos prises par les astronautes sur la surface de la Lune pendant le voyage inaugural d'Apollo 11. Nous avons reçu de nombreuses photos en double exemplaire. En tout, moins d'une 20aine de photos furent retrouvées, même après une enquête sur le terrain, dans les locaux du bureau des archives de l'agence spatiale. Cela est plutôt surprenant, compte tenu de l'importance historique de l'événement. Ces photographies étaient exactement pareilles à celles qui circulaient année après année à l'occasion de l'anniversaire de l'événement. On estime que rien qu'au cours des 60 premières minutes passées sur la Lune, dans de telles circonstances, de nombreuses autres photos auraient dû être prises. Un autre élément surprenant est la rareté des photographies du pionnier de la mission, Neil Armstrong. Il s'agit de la plus grande réussite de l'histoire de l'humanité, marquant ainsi l'avènement d'un nouvel âge de lumière scientifique. Pourtant, nous n'avons de lui qu'une seule photo, en gros plan, sur la Lune. Là, à côté de ce reflet fantomatique, celle-ci prise par un appareil photo automatique monté sur le côté du module lunaire. Peut-être avait-il oublié qu'il avait attesté de l'authenticité de l'événement en apposant sa signature sur cette plaque gravée par le gouvernement fédéral. En fait, plus de 30 ans après cet événement, mis à part la conférence de presse initiale de la NASA et les quelques brefs discours occasionnels faits lors de l'anniversaire des événements, au cours desquels peu de questions étaient autorisées, il n'a jamais accordé d'interview filmée à personne, à aucun moment. D'un point de vue analytique, il faut avoir une bonne connaissance du jeu des lumières et des ombres si l'on veut rechercher des anomalies photographiques. Lorsque les objets sont éclairés uniquement par le soleil, comme sont censées l'être toutes les scènes sur la Lune, le matériel d'éclairage est non seulement impossible à utiliser, il est également inutile en plein soleil, et dans ce cas, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, toutes les ombres sont parallèles les unes aux autres et ne se croisent jamais, comme l'illustre cet exemple. Sur les photographies rarement vues, obtenues auprès d'un site d'archives de la NASA, rarement utilisées, il est clair que ces scènes sont éclairées à l'aide d'une lumière artificielle. Ces ombres, qui se dessinent selon des angles différents, prouvent le recours à une seconde source de lumière. De plus, le soleil ne pourrait causer une tache de lumière isolée comme celle-ci. Seule une lumière artificielle le pourrait. Là encore, des ombres qui se croisent et une autre tache de lumière. Et la même chose encore, ici et là. Il est simplement impossible que cette image ait été prise sur la Lune, à la lumière du soleil. Ici, les ombres apparaissent aussi noires que dans un four. Et pourtant, là, alors qu'il est complètement dans l'ombre, l'astronaute est éclairé comme un sapin de Noël. Comment est-ce possible? Et cela, sur la face ombragée du module lunaire? Sur cette photographie agrandie d'Apollo, cette pierre ressemble beaucoup à un accessoire en papier mâché à cause de ce pli ici sur lequel on peut voir la lettre C. Dans les diffusions ultérieures de la même image, la lettre a disparu. Elle aura probablement été effacée lors du travail d'édition. Ici, un réticule, probablement imprimé sur l'image directement à partir de la plaque du film et qui devrait donc toujours apparaître au-dessus des objets de la photographie. Apparaît derrière l'objet dans cette scène, montrant clairement que cette photo est un montage de 2 photos. Quelqu'un a apparemment oublié de créer un cratère de mise à feu sous le moteur de poussée de plus de 4500 kg du module lunaire. Pourtant, durant les tests au sol, on s'était vivement inquiété du risque que le véhicule spatial aurait pu tomber dans le trou créé par le moteur lors de sa descente. Dans ces agrandissements, on dirait que le module lunaire a simplement été placé là. Il n'y a même pas le moindre grain de poussière lunaire sur la plateforme d'atterrissage. Tous les vols spatiaux suivants se devaient donc de présenter la même anomalie, laquelle fut expliquée par l'effet de l'absence d'atmosphère. Et les étoiles dans tout cela?
Sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère, elles devaient constituer un spectacle incroyable. Pourtant, dans toutes leurs missions, les astronautes n'en font que très rarement mention. Il est certain que créer une peinture murale avec toutes les constellations correctement placées dans le ciel aurait été virtuellement impossible à réaliser avec précision, et encore moins de manière réaliste. Un astronome amateur compétent aurait été capable d'attirer l'attention sur la moindre erreur de position. La solution ? Ne parler des étoiles à aucun moment. Dans la conférence de presse de retour sur Terre, ce fut la seule question à laquelle Neil Armstrong répondit en disant qu'il ne se souvenait plus. En regardant le ciel, avez-vous pu voir les étoiles dans la couronne solaire malgré l'éblouissement ? Nous n'avons jamais réussi à voir les étoiles à l'œil nu, sans matériel optique, depuis la surface de la Lune ou sur la face éclairée de la Lune. Je ne me souviens pas avoir vu d'étoiles lorsque nous photographions la couronne solaire. Je ne me souviens pas d'en avoir vu. Mais quelques années plus tard, Michael Collins se souvient avoir vu les étoiles et il en parle dans son livre « Expédition sur la Lune ». Il semble que sa mémoire s'est améliorée avec l'âge. Pourquoi les étoiles n'apparaissent-elles sur aucune photographie ? Tout simplement parce que la bonne ouverture du diaphragme de la caméra, presque entièrement fermée, est nécessaire pour compenser la lumière vive du soleil sur la surface de la Lune, a complètement atténué la faiblesse des taches de lumière relativement distantes. Cette réponse est exacte. Cela n'explique pourtant pas pourquoi ils n'ont jamais pris de photos d'étoiles eux-mêmes, alors qu'ils bénéficiaient d'une exposition parfaite pour cela. Et bien qu'ils aient amené des engins motorisés sur la Lune, ils n'ont jamais pris de télescope photographique. S'ils l'avaient fait, ils auraient pu voir plus loin dans l'univers ce que personne n'a jamais fait auparavant. S'ils avaient pris un télescope sans être réellement sur la Lune, ils auraient dû imaginer des galaxies encore inconnues et ainsi courir le risque de voir la preuve révéler un jour qu'elle n'existait pas. Quel est le prix de 3 engins motorisés lunaires en dollars d'aujourd'hui ? Près de 60 millions de dollars chacun, bien qu'ils contiennent moins de pièces qu'une Jeep. Où allait donc tout cet argent ? Et puis, il y a le drapeau, flottant dans le vent, et cela au moins 2 fois sur la Lune dépourvu d'atmosphère. Nous pouvons seulement supposer que la plupart des missions ont été filmées à l'intérieur d'un bâtiment par peur d'une reconnaissance aérienne ou par satellite d'une nation hostile. On a probablement dû retirer le système de climatisation des sacs à dos afin de permettre aux astronautes de bouger sans tomber. À cause des studios surchauffés par le système d'éclairage, les astronautes ont dû avoir très chaud à l'intérieur. Si tant est que c'était bien les astronautes, parce qu'après tout, on ne voit jamais leur visage. C'est probablement l'énorme quantité d'air conditionné nécessaire qui causa un courant d'air. Ici, le monteur a coupé la bande pour passer à un plan fixe du drapeau juste au moment où l'effet devient visible. Cette prise n'a pas été vérifiée, ce rare clip obtenu il y a plusieurs décennies ne fut jamais rediffusé par peur des progrès cinématographiques qui auraient décelé cette anomalie. Il est relativement facile de reproduire la sensation de rebond et de flottement dans les mouvements des astronautes grâce au ralenti. Vous regardez des scènes qui ont été diffusées il y a plus de 30 ans. Maintenant, regardons-les à nouveau à une vitesse 2 fois plus rapide. On s'aperçoit qu'en fait, les astronautes sont toujours sous l'emprise de la gravité terrestre et qu'ils ne quittent pas plus le sol qu'ils ne le feraient sur Terre. Ces images, rarement diffusées à la télévision, montrent clairement que l'équipage d'Apollo 11 a emporté avec lui dans sa mission une caméra vidéo couleur de haute résolution. Pourtant, les seules images diffusées en direct depuis la surface de la Lune furent celles tournées avec une caméra noir et blanc, de faible définition. En fait, les chaînes de télévision se sont plaintes parce qu'en plus de cela, elles étaient forcées de filmer les images depuis un téléviseur de projection d'une technologie vieille de 30 ans et parce qu'elles n'étaient pas autorisées à filmer en source directe, ce qui dégrada encore la qualité et la clarté des images. Peut-être était-ce précisément l'effet recherché par la NASA et le gouvernement fédéral. Après tout, c'était une première. Peu importe l'endroit où ils se trouvaient, il valait mieux commencer la première mission avec des images troubles et de nombreuses coupures que de montrer trop de détails d'une scène truquée. Et voici finalement l'élément le plus accablant.
Juste avant le bouclage de ce documentaire, parmi toutes les bandes filmées d'Apollo 11, demandées à la NASA pendant une période de 5 ans, nous avons découvert un joyau, un vieux rouleau de pellicule reçu par erreur. Il contient des images brutes, non éditées, de l'équipage d'Apollo 11. Ce document en couleur montre Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. et Neil Armstrong en train de répéter une partie de leur mission pendant près d'une heure. Il contient également des enregistrements audio exceptionnellement clairs, des discussions en coulisses sur les techniques utilisées afin de produire une image truquée représentant la Terre à distance dans le but de convaincre le téléspectateur de l'authenticité d'un voyage au-delà de l'orbite terrestre et de la possibilité pour les astronautes de survivre au passage du champ des radiations des ceintures de Van Allen. Il est impossible de penser que la répétition ait eu lieu pour une autre raison avant la mission. Le rouleau est lui-même découpé par la claquette cinématographique et il est daté des 18, 19 et 20 juillet 1969, les jours de la mission où ils étaient censés approcher et atteindre l'orbite de la Lune. De plus, il est évident qu'ils se trouvent dans une véritable gravité zéro à bord du véritable vaisseau spatial, détail nécessaire pour convaincre les médias de l'authenticité du voyage, mais certainement pas plus loin que l'orbite de la Terre, comme vous allez le voir. Dans cette bande totalement inédite, non seulement la conversation radio entre les astronautes et la salle de contrôle de Houston est audible, mais il y a également en arrière-plan une conversation privée entre l'équipage et un mystérieux souffleur qui rappelle aux astronautes ce qu'ils doivent dire, quand ils doivent parler et comment manipuler la caméra pour obtenir le trucage recherché. La NASA affirme que les transmissions de Houston étaient les seules à parvenir aux astronautes. Écoutez maintenant la salle de contrôle à Houston lancer une conversation avec l'équipage. Il est évident que les astronautes sont trop préoccupés par les trucages en coulisses pour répondre. Quelques instants passent et l'erreur est relevée par une troisième personne mystérieuse qui les appelle rapidement et leur dit « Parlez !» Immédiatement après, Neil Armstrong parle. Call Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger. Une fois de plus, ils essayent de créer l'illusion que la Terre se trouve à une grande distance pour prouver l'authenticité de leur voyage et leur capacité à survivre aux ceintures de radiation de Van Allen. Il ne faut pas oublier non plus que seulement 20 secondes environ de ces images brutes ne furent jamais diffusées au public et que ces conversations sur la supercherie étaient censées rester privées. Elles le sont restées jusqu'à présent. Ici, ils discutent du fait que ces transmissions télévisées ne furent pas diffusées en direct, contrairement à ce que tout le monde a cru. Elles étaient tout d'abord visionnées et éditées pour être diffusées en différé plus tard. Roger, Neil, we just wanted a narrative so that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we're seeing. Thank you very much. Ici, ils discutent le fait qu'ils ont éteint les lumières et ont bloqué ainsi la pénétration de la lumière du soleil dans le vaisseau spatial par les autres fenêtres afin d'empêcher tout reflet d'éclairer le mur du vaisseau au premier plan. En réalité, ils firent cela pour que la vérité de l'affaire ne soit pas révélée. Cette vérité, la voici. Bien que le gouvernement fédéral veuille vous faire croire qu'il s'agit d'une vue de la Terre depuis la fenêtre du vaisseau spatial en phase d'approche de la Lune, ce n'est pas le cas. Ils ont ingénieusement placé la caméra à l'arrière du vaisseau spatial et centré l'objectif sur une fenêtre circulaire au premier plan, à l'extérieur de laquelle on peut voir la Terre en orbite basse. La circonférence de la fenêtre semble donc être le diamètre de la Terre vu de loin, et les murs foncés du vaisseau font croire au vide sidéral qui l'entoure. C'est pourquoi ils voulaient que l'intérieur soit sombre et empêcher le soleil de pénétrer par les autres fenêtres. Ici, vous pouvez voir que cette fenêtre a une épaisseur de près de 5 cm à sa base. C'est parce que le rayonnement de la Terre pénètre à l'intérieur par le bas. Cela provoque également la forme irrégulière de la Terre parce que vous voyez l'extérieur de la fenêtre en bas et l'intérieur de la fenêtre en haut qui, ensemble, forment deux moitiés de taille différentes d'un même cercle. Par la suite, cette prise ne fut jamais utilisée.
Lorsqu'ils ont amélioré cette prise de vue, un morceau de matériau noir en forme de croissant fut inséré légèrement dans la fenêtre pour créer l'illusion de la ligne du terminateur terrestre qui sépare le jour et la nuit. C'est étonnamment convaincant. Durant ce plan, destiné à être monté et diffusé plus tard aux téléspectateurs du monde entier, et daté du 18 juillet 1969, Neil Armstrong s'incrimine lui-même lorsqu'il déclare être à 208 000 km dans l'espace, soit à mi-chemin de la Lune, ce qu'indiquent également les registres de la NASA de ce jour-là, alors qu'en réalité, il se trouve en orbite basse autour de la Terre, à seulement quelques centaines de kilomètres. Ici, durant un autre plan qui devait également être diffusé après contrôle, Neil Armstrong trompe les téléspectateurs en expliquant comment l'image est produite en plaçant l'objectif de la caméra contre la vitre de la fenêtre, puisqu'il devait produire l'impression qu'ils étaient bien à cette distance de la Terre. Si comme il le dit, le cadre de la fenêtre était entièrement rempli par la caméra de télévision, alors le bras de l'astronaute n'aurait pas pu tenir entre la caméra et la fenêtre, comme c'est clairement le cas ici dans cette chute. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. Vous pouvez également remarquer comment l'astronaute faisant fonctionner la caméra réagit à cette erreur en essayant de faire un travelling arrière, zoom arrière. Voici un plan dont il pensait qu'il n'était pas filmé et encore moins bon à diffuser parce que l'objectif faisant un zoom arrière et révèle à l'intérieur avec les astronautes au travail. Apparemment, le bouton arrêt de la caméra s'est relâché sans que personne ne s'en rende compte. Voici la lumière diffuse de travail qu'ils utilisaient pour voir les boutons de contrôle de la caméra, mais pas pour éclairer le mur du vaisseau spatial. Ici, ils retirent une partie du croissant. Finalement, le diaphragme s'ouvre et par la fenêtre, vous voyez l'emplacement de la caméra et la Terre très brillante et toute proche. Voici la claquette cinématographique du 19 juillet et le même trucage le 19 juillet. Puis, le 20 juillet et la même image truquée le 20. Plus tard, dans la soirée, on annonça qu'ils avaient marché sur la Lune. Comment est-ce possible ? Alors qu'ils étaient dans l'orbite de la Terre encore 9 heures auparavant et que la Lune est à quelques 3 jours de voyage. De plus, s'ils étaient vraiment allés sur la Lune, pourquoi auraient-ils simulé certains faits? Pourquoi ce trucage par la fenêtre? En faisant semblant d'être à mi-chemin de la Lune, il devient évident qu'ils ont fait cela parce qu'ils ne pouvaient même pas en atteindre la mi-chemin. Cela confirme ainsi que l'obstacle rédhibitoire à la route du succès était les radiations mortelles des ceintures de radiation de Van Allen. Puisque les missions ultérieures des 40 mois suivants utilisèrent le même équipement, aucune d'entre elles n'a donc pu atteindre la Lune. Ils ont seulement amélioré leur habilité à mettre en scène ces missions. Lors de la projection télévisée de la seconde mission de l'homme sur la Lune, des téléspectateurs téléphonèrent aux chaînes de télévision pour se plaindre de l'interruption des rediffusions de la série I Love Lucy. Il apparut clair que, pour les contribuables, une seule mission suffisait. Mais ce n'était pas assez pour le gouvernement, ni les entreprises ayant obtenu des contrats. Quelle heureuse coïncidence que la mission suivante met en jeu des questions de vie et de mort, Apollo 13. Maintenant, le public allait prendre plus au sérieux les missions vers la Lune et se replongerait dans cette histoire passionnante. Nous nous rendons compte maintenant que la raison pour laquelle Neil Armstrong n'a jamais accordé d'entretien filmé est peut-être parce qu'il ne veut plus mentir. Quelle menace aurait été proférée contre des hommes aussi respectables ou contre leur famille pour s'assurer de leur coopération réticente et plus tard du silence sur cette heure encore sombre de l'histoire américaine? Le plus haut responsable de la NASA, James Webb, démissionna sans donner d'explication, quelques jours seulement avant la première mission Apollo. Pourquoi alors qu'il était sur le point d'accomplir la plus grande réalisation de sa carrière?
les trois astronautes d'Apollo 11 ont tous démissionné peu de temps après leur retour. Lors du 25e anniversaire de l'événement, Neil Armstrong fit une rare apparition publique et retint ses larmes lorsqu'il prononça ces quelques brèves remarques mystérieuses devant la prochaine génération de contribuables en visite à la Maison Blanche. Nous avons aujourd'hui avec nous un groupe d'étudiants qui compte parmi les meilleurs des États-Unis. Nous vous disons, nous avons seulement accompli le début. Nous vous laissons avec beaucoup à faire. De grandes idées restent encore à découvrir, des découvertes à la portée de ceux qui peuvent abattre les remparts de la vérité. Ce rempart, c'est lui. Peut-être un jour prochain, avec la publication de ces images et de leur signification, les vrais patriotes des États-Unis se lèveront ou se feront connaître, et ils nous libéreront de l'emprise d'une telle machination et d'un gouvernement fédéral rongé par la gangrène. Même si la vérité devait provoquer la démission du gouvernement, ce gouvernement ne mériterait pas de rester en place et une amélioration s'ensuivrait nécessairement. Nous sommes tous mortels, nous mourrons tous un jour. Peut-être le désir de libérer sa conscience avant ce dernier moment est ce qui fera éclater la vérité en pleine lumière. Peut-être devrions-nous faire esprit de civisme et amnistier ce crime et d'autres crimes de l'histoire en échange d'aveux des personnes impliquées avant que la vérité ne disparaisse avec celle-ci. Pourquoi doit-on attendre jusqu'en 2017 pour pouvoir ouvrir les dossiers de l'assassinat de Kennedy? Peut-être que les archives ne seront même pas ouvertes à ce moment-là, puisque la loi qui stipule l'ouverture des archives se fait avec la clause suivante, citation, à l'exception des documents certifiés pour délai supplémentaire par le président. Ceux qui pensent que les citoyens sont trop immatures pour la vérité sont trop immatures pour le pouvoir. La vérité nous libérera toujours.